Une année chargée pour la princesse Eugénie. La cadette du prince Andrew a annoncé un heureux événement cette semaine, elle attend un deuxième enfant pour cet été. Après le couronnement de son oncle, le roi Charles III, elle aura donc la lourde tâche de pouponner aux côtés de son mari Jack, et cette bonne nouvelle implique également un changement de taille dans leur vie quotidienne. Comme le relate Hello. Ce 25 janvier 2023, il est possible que le couple décide de déménager. Divisant leur temps entre le Portugal et Londres, Eugénie, Jack et le petit Auguste, âgé d'à peine 2 ans, sont logés à Nottingham Cottage sur le domaine de Kensington Palace, là même où le prince Harry et Meghan ont vécu les débuts de leur relation. Cette demeure avait été jugée assez petite par le duc de Sussex et sa femme, qui avaient été logés ensuite à Frogmore Cottage. La maison qui possède 2 chambres, pourrait bien s'avérer trop petite aussi pour Eugénie et sa famille, qui souhaiteront peut-être plus de place pour que leur nouveau-né puisse s'épanouir aux côtés de son grand frère. Eugénie Dyork, retour sur son évolution physique. Un bébé qui bouscule la famille royale chaque naissance chez les Windsor engendre des conséquences. Dans l'ordre de succession au trône, le prince Edward, le dernier fils de la défunte reine Elisabeth II, est directement impacté par l'arrivée de ce nouveau-né. Eugénie Dyork, fille du prince Andrew et de Sarah Ferguson, actuellement 11e dans l'ordre de succession, verra son deuxième enfant ajouté à la ligne de succession. Si Auguste, son premier fils, est en 12e position, son deuxième enfant sera quant à lui 13e. Le prince Edward, dernier fils de la reine Elisabeth II et frère cadet du prince Andrew, descend donc d'une marche, pour se placer en 14e position. Il ne faut pas oublier que Eugénie a une sœur aînée, Béatrice, 9e dans l'ordre de succession au trône britannique. Sa fille, la petite Sienna, née en septembre 2021, occupe quant à elle, la 10e place. Si la princesse Béatrice décide d'avoir un autre enfant, dans les pas de sa sœur, ce qui est loin d'être impossible, l'ordre de succession s'en trouverait à nouveau chamboulé. Crédit photo, agence.